La République du Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest qui fait partie des pays en développement. Toutefois, il regorge en son sein de nombreux hommes fortunés qui ont réussi à se faire beaucoup d'argent dans divers domaines. Ces derniers sont majoritairement des hommes d'affaires qui ont investi dans des secteurs comme celui de l'agroalimentaire, du pétrole ou du commerce. Dans cette vidéo, nous vous ferons découvrir le top 10 des hommes les plus riches du Bénin. Il est important de savoir que la liste monte de façon graduelle, c'est-à-dire les hommes les moins fortunés aux plus fortunés. Si vous voulez découvrir l'homme le plus riche du Bénin, il est alors important de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. 10. Ulrich Sossou. Parti de rien, à seulement 33 ans, la fortune personnelle de Ulrich Sossou est aujourd'hui estimée à 10 millions de dollars. Vous retrouverez son nom dans l'histoire des plus jeunes entreprises du secteur numérique du Bénin telles que Botam, TechXL, FlyerCO et plein d'autres. Ulrich Sossou a lancé sa première entreprise Internet dans un cybercafé en 2006. À l'époque, il ne possédait pas d'ordinateur car il n'en avait pas les moyens. Aujourd'hui, Ulrich a cofondé plusieurs startups à succès qui ont contribué à la naissance de plusieurs logiciels qui aident des particuliers et entreprises au quotidien. 9. Junior Nabatou. À seulement 17 ans, Junior est devenu millionnaire à moins d'un an d'activité sur le web. Connaissant des jours de plus en plus glorieux, Junior évolue dans son activité basée sur la vente des produits en ligne. Selon le magazine Forbes, Junior Nabatou est devenu l'un des plus jeunes millionnaires en Afrique francophone qui a su bâtir une légitime fortune. Eu égard à son succès dans l'e-commerce, Junior a su créer des entreprises dans le marketing digital dont il est le CEO. 8. Saratou Kabasi Adoiti. Le milliardaire de 54 ans est une redoutable femme d'affaires béninoise, administratrice d'Omnium, des télécommunications et de l'Internet. Oti, son entreprise, est le premier fournisseur privé d'accès à Internet au Bénin. Elle est aussi fondatrice et directrice générale de Vaxi Pharma, l'un des principaux fournisseurs de médicaments de l'État béninois. La valeur de sa fortune est estimée à 30 millions de dollars. 7. Sébastien Ajavon. Surnommé le roi du poulet, Sébastien a fait fortune dans l'agroalimentaire en développant la société familiale de produits surgelés. Également présent dans le secteur médiatique à travers Sika TV et Soleil FM, il fut à la tête du Conseil national du patronat du Bénin de 2012 à 2020. Il s'investit en politique à partir de 2016, se portant candidat indépendant à l'élection présidentielle qu'il ne remporte pas. La fortune de Sébastien est évaluée à plus de 40 millions de dollars. 6. Pascal Irénée Koupaki. Pascal s'est intéressé à la politique et a été directeur du cabinet de Premier ministre. Quelques années plus tard, en 2011, il fut lui-même Premier ministre du Bénin, poste qu'il détena durant 2 ans. Il fut aussi actionnaire à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et au Fonds monétaire international. Sa fortune est aujourd'hui estimée à 43,3 millions de dollars. 5. Adrien Hungbeji, dirigeant du Parti du Renouveau démocratique, qui est l'un des principaux partis politiques du Bénin, Adrien est un homme politique béninois très habile. De 91 à 95, il a été président de l'Assemblée nationale du Bénin, avant d'être plus tard premier ministre de 96 à 98. Selon diverses sources, la fortune d'Adrien est évaluée à 66,6 millions de dollars. 4. Thomas Boniaï. Il a longtemps occupé la tête de liste de personnes les plus riches du Bénin. L'ex-président Boniaï, banquier et homme politique béninois, a été président de la République béninoise de 2006 à 2016. Étant un homme très diplômé, il a commencé sa carrière en 1975 à la Banque commerciale du Bénin avant de la poursuivre au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sa fortune est évaluée à 120 millions de dollars. 3. Nicéphore Soglo, l'homme politique béninois. Soglo occupe la 3e place dans notre classement. Il occupa le poste de Premier ministre de 90 à 91 et de Président de la République de 91 à 96. Après avoir quitté le poste de président, il deviendra plus tard le maire de Cotonou de 2003 à 2008. Sa fortune serait évaluée à 125 millions de dollars. 2. Lionel Zinsou. Lionel Zinsou est un économiste franco-béninois qui a fait fortune dans le secteur bancaire puis en tant que PDG du Fonds d'investissement européen. Il a été premier ministre du Bénin de 2015 à 2016 et est le fondateur de Southbridge, une société de conseil financier et stratégique dédiée au continent africain. Il pèse 170 millions de dollars. Numéro 1. Patrice Talon. Patrice Talon est l'actuel président de la République du Bénin. Homme d'affaires aguerri,
L'ex-magnat du coton s'est construit lui-même pour devenir la 15e personnalité la plus riche d'Afrique selon le classement Forbes, avec un patrimoine estimé à plus de 400 millions de dollars en 2015. Au Bénin, il demeure et reste l'homme le plus riche sur tout le territoire. Voici le top 10 des hommes d'affaires béninois les plus fortunés. Nous voici à la fin de la vidéo. Faites-nous lâcher un pouce si vous l'avez aimé, sans oublier de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.